elle allait rendre son ouvrage. Moi, je la suivais bêtement, comme ça, sans savoir comment ni pourquoi. Ce jour, justement, elle allait rendre son ouvrage. Elle avait à peu près cet âge où, terminant l'apprentissage, on peut sortir impunément, et le nez en l'air, carrément, par un soleil éblouissant, elle allait rendre son ouvrage. Si vous aviez vu son visage, c'était radieux et charmant, joli à dévorer, vraiment, et comme moi, probablement, vous l'auriez suivi en flânant jusqu'à l'endroit où, gentiment, elle allait rendre son ouvrage. Elle traversa le passage du saumon, fit énormément de chemin. On trotte à cet âge. J'étais essoufflé, tout en nage, et j'attendais l'heureux moment où, mettant terme à mon tourment, dans un grand établissement, elle allait rendre son ouvrage. Patatras, un encombrement de voitures. Moi, prudemment, je restais là, tranquille et sage. Ça vient vite, un écrasement. Elle avait filé prestement, et je la cherchais vainement. De sorte que, fatalement, je n'ai jamais su ni comment, ni pourquoi, ni dans quel moment et dans quel arrondissement elle allait rendre son ouvrage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les femmes. Oh, mais je les aime comme ça. Il écarte les bras. Pas grosse comme ça. Non, énormément. De tout mon cœur. C'est si gentil, une femme. Non, les femmes. Toutes enfin. Les maigres. Oh, les maigres et les grosses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Tenez, l'autre jour, j'en suivais une. Moyenne, ni grosse ni maigre. Pas trop grande, pas trop petite, comme ça. Il indique la hauteur. Elle était blonde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les blondes. Il y a des jours. Les autres jours, c'est les brunes. Les rousses, de temps en temps, pas trop. Elle était donc blonde. Je la suivais. Et je l'aimais. Oh, je l'aimais. Vous comprenez? Je ne la voyais que de dos. Eh bien, figurez-vous que je m'avance. Elle se retourne. Elle était jolie. Oh. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'adore les femmes jolies. Une jolie femme, une maison de campagne et rien à faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je la suivais donc. Elle se retourne. Pardon, madame, lui dis-je. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'irai bien faire un petit tour. Mais, monsieur, j'y vais. Ah ? Où allez-vous ? Vous êtes un indiscret. Ah, demande bien pardon, c'était pour savoir. Eh bien, vous le savez. Comment je le sais? Je vais chez vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a de ces choses auxquelles on ne s'attend pas et qui ne sont pas. Chez moi? Dis-je. Oui, chez vous. Et je vais vous prouver que vos faux cols sont mieux empesés que vous ne le dites. Et que ce n'est pas parce qu'un faux col redresse plus ou moins qu'on renvoie une pauvre blanchisseuse. Mais pardon, madame, une blanchisseuse? Oui, monsieur, une pauvre blanchisseuse qui ne vous a rien fait. Thank you.
Lunchtime, I will be right here. Come on down and see.